Ascani, c'est un groupe composé d'un quatuor à cordes assez classique, donc deux violons, un alto et un violoncelle, et des voix issues d'autres cultures en fait, en l'occurrence l'Afrique ici. Précisément, il y a une chanteuse issue de culture congolaise, Nicole Le Tup, Marie-Ange Theven qui est burundaise, et Laila Amezian qui est marocaine. Ce qui nous réunit dans le groupe, c'est l'envie de faire une musique qui nous représente tous, au fait. Quand je fais mes compositions, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Et je pense que les musiciens comprennent ça et essayent de me rejoindre là-dedans et ça le rend d'autant plus fort, au fait. On essaye de faire vraiment quelque chose qui est propre, qui relate vraiment ce que moi je sens à l'intérieur, ce que j'entends aussi, ce que je crée dans ma musique. J'essaye de faire fi de toutes ces étiquettes pour faire quelque chose qui me plaît, que j'aime. C'est de la recherche aussi vraiment. Au final, je pense qu'il y a une certaine profondeur dans la musique et c'est ce qu'on partage, je pense. C'est cette envie d'aller un peu plus loin que juste des petites mélodies chantantes. Voilà. Ascani, c'est une musique migrante aussi, parce que déjà, je dirais par ses statuts, elle rassemble des gens de différentes origines. Donc en un point, c'est un peu un reflet de la migration. Hein. On est tous différents et on essaye d'approcher ça d'une manière beaucoup plus universelle. Et je pense aussi dans la thématique qu'on a choisie spécifiquement pour ce nouveau répertoire, comme on parle de Kali Gibran et on a pris comme point de départ cet homme qui, après 20 ans d'exil, peut enfin retourner vers sa terre natale, je pense que le lien est fait, voilà, tout simplement. Ce que je trouve très intéressant dans ce festival Brume, c'est qu'il donne la parole à des groupes comme nous. C'est pas évident de faire la diffusion d'un groupe pareil, parce qu'on voilà, on n'a pas d'étiquette. Et en même temps, il y a un certain reflet avec ce qu'est la société, et ben, Bruxelles en particulier. Hein. Donc, je pense que Bruxelles est une ville extrêmement intéressante par cette super diversité. Et donc l'échange est à côté de nos portes, hein, parce que sur un million, un peu plus qu'un million d'habitants, il y a une panoplie de cultures, de gens qui se côtoient tous les jours. Et forcément, ça crée quelque chose de nouveau, quoi. C'est quelque chose que Brume, en tout cas, met en avant. Voilà, il y a aussi plein de belles choses à découvrir par ces échanges-là.